Et j'appelle maintenant Pierre Guidanz. Et je vais maintenant passer la parole à un ami, Olivier Rollinger. Excellences, messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs les élus, chers amis amoureux du savoir, de la connaissance et du bon goût, c'est avec fierté et avec aussi beaucoup d'émotion que je me trouve être là le parrain de Pierre Guidanz. Pierre pourrait être, et j'aurais rêvé d'avoir un grand frère comme Pierre, il incarne pour nous une réussite professionnelle exceptionnelle, mais également humaine. Vous rappelez que cette famille d'artisans, c'est une dynastie. Depuis 1926, ce restaurant comme chez soi rayonne et brille sur Bruxelles. Quelle réussite de cette famille. Et Pierre a réussi cette chose personnelle d'apprendre auprès de ses parents, faire un petit tour de France, un peu parisien, de rentrer à la maison après avoir appris, il a fait. Et puis, après avoir fait, il a transmis. Voilà la réussite professionnelle d'un homme. Lui remettre aujourd'hui ce titre de doctorat honoris causa a vraiment une dimension très importante pour l'ensemble de la profession des cuisiniers de France. Le talent, effectivement, existe et rayonne au-delà de nos frontières. Et je dois saluer très sincèrement l'université et son président, mais également l'Institut, d'avoir eu cette formidable initiative de pouvoir rayonner de cette manière-là à travers le monde. J'espère d'ailleurs demain que nous pourrons aller beaucoup plus loin à travers des initiatives comme celle-ci, en trouvant un partenariat avec cette association qu'est les Relais Châteaux, avec l'Institut et l'Université de Tours. Pierre, il a réussi autre chose formidable. Parce que réussir en Belgique, c'est compliqué. Pourquoi ? Parce que peut-être que le peuple belge, c'est le peuple le plus connaisseur en gastronomie. Les gourmets les plus fins, les plus gourmands, ceux qui se font plaisir à table, qui élèvent les plaisirs de la table au premier rang. Et c'est compliqué de satisfaire les meilleurs. Mais en même temps, il avait cette facilité. Nous, on le sait bien en Bretagne. Cette clientèle belge, elle est la plus sympathique en même temps, lorsqu'elle est satisfaite. Et ce plaisir de voir ces tables belges rayonner, rire, goûter, s'amuser, jouer autour de la table, c'est un plaisir que nous aimons partager dans tout le monde de la cuisine et de la gastronomie. Enfin, ce titre te revient, Pierre. Et toute ta famille et toute cette dynastie, tu as su transmettre aussi à ton gendre, Lionel, et à ta fille, Laurence, ce formidable patrimoine qu'ils magnifient aujourd'hui avec leur talent, leur travail et leur passion. Mais néanmoins, je voudrais surtout partager ce titre qui te revient aujourd'hui et qui fait rayonner l'ensemble de la cuisine belge, également avec ton épouse Marie-Thérèse. Parce qu'on sait très bien que ces missions et ces vies, bien souvent, on ne peut pas les mener seul. Et ce rêve que vous avez eu maintenant, il y a quelques années, vous avez réalisé ensemble. Et un rêve à deux,
c'est toujours plus merveilleux. Merci beaucoup.